Je vous en prie, je suis heureux de vous accueillir. Vous pouvez rentrer, je vais vous faire visiter l'atelier. Merci beaucoup Jacques de nous accueillir dans votre atelier, parce qu'un atelier c'est un lieu intime où peu de personnes ont le privilège de rentrer. Donc là, virtuellement, on va pouvoir découvrir cet atelier, parce que c'est le lieu de la création, c'est le lieu du stockage, le lieu de la réflexion aussi. Donc on est très heureux de rentrer de cette façon-là. Eh bien, écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Vraiment, merci beaucoup. Votre visite. Merci. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à un ensemble de votre production. On va voir des peintures, peintures sur caisson sur bois. On va voir aussi les petits polaroïdes, la façon dont vous pouvez nous raconter leur origine et puis les objets eux-mêmes. Et puis, on va voir des livres d'artistes, une série de sérigraphies, une digigraphie même. Ouais. Donc on va voir comme ça un ensemble de différents éléments qui forment un panel de votre production. On va pouvoir rentrer dedans progressivement et les découvrir. Alors l'avantage d'être dans l'atelier, c'est que ça nous permet de rentrer en détail dans les œuvres. Donc on va regarder plus spécifiquement les peintures sur caisson. Et puis on verra aussi en détail des séries de polaroïdes et le maître nous en donnera les explications. Vous avez commencé par travailler sur des caissons de bois avec cette technique que vous avez mis au point petit à petit. Ouais. Et ensuite, vous vous êtes dit, tiens, je vais faire différents formats que je vais assembler. Pour combiner, oui. Ouais. Et alors, bien sûr, il y a le jeu sur la couleur. Puis les oppositions. Donc ça permet de pouvoir caler les couleurs, mais vraiment d'une manière extrêmement précise. Comme les choses ne sont pas fixées, donc ça permet vraiment de jouer et de, dans la combinaison et de pouvoir caler vraiment les couleurs. Bien sûr. Et au bout d'un moment, vous faites évoluer aussi vos compositions. Ce n'est pas toujours le même format qui apparaissent. Et puis le carré, il peut tourner dans voilà, tous les sens. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de sens de lecture. Oui. Par exemple, ce tableau-là, vous pourriez le montrer dans un autre sens. On peut le mettre dans l'autre sens, oui. Ça ne vous poserait pas de problème. Quand on peut le mettre comme ça, ça ne pose pas de problème particulier. Et au bout d'un moment, au contraire, il peut y avoir un jeu aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un nouveau tableau qui se présente à nous. Et puis, ça peut s'associer avec d'autres. Voilà. Donc, il y a un moment, on peut faire un grand tableau, un petit tableau. C'est à la fois un jeu coloré et formel. Qui est très très astucieux parce qu'on a l'impression qu'on peut intervenir soi-même, nous aussi, qui ne sommes pas artistes, nous pouvons changer le sens. Voilà. Mais il y a des gens qui disent « Ah, mais je le préfère dans l'autre sens. » Pas de problème. Pas de problème, on le met dans l'autre sens. C'est un peu comme une écriture, un alphabet un peu chamanique. Mais qui est le vôtre. L'orange qui est très vif. L'orange et le bleu, c'est un peu ça. Si on les laisse tous les deux ensemble, ça fait un peu grincer les dents. Mais après, ce sont des couleurs complémentaires aussi. Oui. Donc elles s'attirent. Et après, elles s'attirent et avec une troisième couleur, ça atténue. Donc ça joue comme ça vraiment sur Et justement, ces effets de vibration dont vous parliez, ça vient justement de ça, de l'utilisation de cette couleur. Cette couleur qui va en effet s'opposer ou s'attirer. Et par-dessus arrivent aussi ces signes qui apportent aussi d'autres éléments de vitalité. Parce que vraiment, ça bouge, quoi. C'est vivant, c'est dynamique, ces mouvements. C'est pas une frise qui se répète, c'est pas un motif décoratif qui est appliqué comme ça. Un tampon, il n'y a pas de pattern. En fait, non. On pourrait jouer aussi. Bien sûr. Mais là, on sent qu'il y a une fluidité. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très fluide dans les formes, dans les glissements de couleurs aussi. Et puis, particulièrement, je trouve dans cette zone-là, presque un jeu de superposition, de transparence. On ne sait pas quelle est la couleur qui est dessous, qui est dessus, et ça crée vraiment cette idée de mouvement qui vient sur l'œil. Il y a une chose qui me semble moi très importante dans votre travail, c'est qu'il paraît presque intemporel. C'est-à-dire qu'il n'a pas vieilli.
il ne vieillit pas, parce qu'il reste toujours contemporain et en même temps, il dialogue avec l'histoire de l'art. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on peut y voir quelque chose de Matisse, par exemple. Oui, c'est très matissien. Hein. C'est très matissien, ça, on ne peut pas dire. Vous n'êtes pas picassien, hein. Ça, vous êtes plutôt matissien. Oui, ça, je peux pas le nier. Ça, non. C'est même, bon, j'adore être Matisse. Mais bien sûr, et puis c'est intéressant. Mais c'est un héritage qui est fabuleux, donc forcément, c'est bien de puiser dans ces sources-là. Ouais. Mais quand vous utilisiez la photo aussi, le regard que vous portez sur le corps, il pouvait y avoir aussi presque quelque chose qui peut relever à Léonard de Vinci, Titien. Enfin, moi, ça m'évoque beaucoup de compositions avec des corps humains qui sont très construites et qui relèvent de la peinture, véritablement. Oui, oui. Mais il y a certaines séries où j'ai repris des poses, par exemple dans les tableaux de pouvoir, des choses comme ça. Ouais. Et puis alors, de temps en temps, quand même, avec les couleurs aussi, il peut y avoir un petit côté un peu pop qu'on retrouve chez Martial Reiss, par exemple. Enfin, bon, on voit que vous dialoguez avec l'histoire de l'art, et ça, c'est très, très intéressant. Moi, quand je travaille sur à peu près 4-5 heures de temps. Oui, et donc vous travaillez toujours aussi sous la forme d'une série. Oui. Et là, une série, elle peut durer combien de temps dans le temps, ou combien de, dans le d'images temps, dans le temps, ça doit durer à peu près entre un an et deux ans. D'accord. Et donc, ça aboutit à combien de photos à peu près, enfin, alors, ça dépend pour des séries, mais en gros, en général, ça aboutit sur une vingtaine de photos. D'accord. Et donc, vous les tirez souvent en grand format, oui. Mais vous faites aussi des Polaroids. Oui. Voilà. Et ça, c'est différent, parce que en fait, les Polaroids, elles se font surtout sur des petites séries comme ça. Oui. C'était une série qui s'appelait Insectes, donc c'était en reprenant les estampes érotiques japonaises. Et donc, c'était comment montrer le sexe, mais en même temps le décalant. C'est-à-dire, si c'est montrer le sexe pour le sexe, ça n'a pas un grand intérêt. Bon, pas pour certaines personnes, pourquoi pas, mais je veux dire, c'était pas le jeu. Et c'était justement de décaler. Je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile à montrer sans qu'on tombe soit dans le porno, ou soit un peu dans le truc un peu cucu. Donc c'est vraiment sur le fil du rasoir, oui. De jouer avec ça. Et donc c'était de décaler, de jouer comme ça sur attirance et répulsion, en mêlant des insectes au corps. Donc il y a ce jeu comme ça un petit peu. Bon, moi j'avais pris les insectes parce que c'était aussi une histoire ancienne, africaine. Qui m'était resté. Et donc voilà, donc j'avais mêlé ça, c'était pas des insectes, avec les corps. Voilà, donc ça, c'était une des. Parce qu'il y a une autre culture qui compte beaucoup aussi dans votre vie et dans votre approche professionnelle aussi, c'est la culture asiatique et particulièrement japonaise. Japonaise, oui. Par rapport à l'érotisme et par rapport aux gravures. Très célèbre aussi. Ah oui, c'était oui avec de reprendre les ça s'appelle les shunga, c'est-à-dire c'est des images, des estampes érotiques. Voilà. Dont il y a Okusai, Otaro, des gens comme ça qui ont travaillé sur ces thèmes. Et c'est vraiment très très beau au niveau de la mise en forme des plans. Mais qu'on retrouve dans votre proposition à vous aussi, toujours sur le travail de la ligne et du graphisme de du corps découpe, humain. Comme là, oui. Ça fait un peu, ça joue comme ça, on découpe sur, oui. Sur les, de continuité de d'ambiance, de jeu comme ça, entre les deux. Et bon, avec les cheveux qui font un peu comme un pinceau, comme ça. Exactement. Et ce qui est beau aussi, après, c'est vraiment c'est une image, mais c'est un objet. Oui, c'est tout un ensemble qui fonctionne. Et puis vous signez. Vous signez vos. Ben, ceux-là sont signés, oui. Parce que comme ce sont des pièces uniques, c'est forcément signé et ça apparaît donc c'est sur. Ce n'est pas numéroté parce qu'il n'y en a qu'une. Oui. Surtout avec les Polaroïdes, il y a juste un exemplaire. Et là, pareil, donc là, c'est aussi une autre série, enfin, c'est la même série que celle-ci. C'était une série qui s'appelait sur les kami. Là, les kami sont justement les dieux japonais dans la mythologie japonaise. Mm-hmm. Et là, c'était une série que j'ai fait, donc une exposition, sur la déesse qui s'appelle Amaterasu. Là, c'est la déesse du soleil, et qui se cache. Donc c'est pour ça que en fait, les cheveux cachent on voit jamais le visage. On voit jamais le visage, parce que
c'était se cacher. Et donc, vous avez des séries qui ont des noms particuliers, ouais. Qui font toujours référence à, justement, votre point de départ, ou au contraire, est-ce que le titre peut être trouvé après ? Non, non, en général, c'est le point de départ. C'est le point de départ, ouais. D'accord. Ah oui, c'est le point de départ, c'est l'idée, comme là, je l'expliquais, donc la série, en fait, s'appelle, c'est sur l'histoire coloniale, ça s'appelle Outre-mer, en fait, toute cette série-là. Et après, il y a cette photo dont je parlais, et après, il y a toute la série en même temps, avec des modèles. J'ai fait reprendre toutes les poses des cartes postales coloniales. Donc en fait, parce que l'histoire est assez intéressante, c'est des cartes postales qui étaient faites dans les colonies, oui. Donc avec qui étaient faites avec des femmes indigènes. Voilà. Dénudées et faites par des photographes français, enfin occidentaux. Et pour un public français. Pour la métropole. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'était le corps des femmes indigènes offertes, offertes, oui. Sexualisées, oui. Offertes à l'occidental, comme si bon, ben, les femmes des colonies étaient offertes de fait. Quoi. C'était bon. Ça relevait complètement du cliché à la fois intellectuel et de l'image aussi. Et ce qui était assez intéressant, c'était les oppositions, comment l'image était traitée entre le Maghreb et l'Afrique noire. Autant sur les femmes du Maghreb, on retrouve un peu le genre odalisque, donc l'orientalisme. Oui, des images tout à fait fabriquées aussi. Voilà, totalement fabriquées, mais orientalistes avec. Justement, c'était incroyable avec des femmes musulmanes, mais complètement dévoilées. Ce qui n'est pas du tout dans la réalité. Et les femmes africaines plutôt prises un peu dans la nature. C'est un côté un peu plus brut, quoi. Un peu plus. Toujours par rapport à tous ces clichés qu'on transpose sur ces cultures. On va rentrer plus précisément dans le travail de la digigraphie, une série qui s'appelle Camille et que Jacques Bossert a fait et qui traite des dieux au Japon et qu'il va traiter de manière très extrapolée parce que on va retrouver le langage plastique, visuel, habituel de Jacques Bossert. Donc une photographie en noir et blanc avec un corps bien précis, très graphique, dont on ne voit pas le visage est caché par un rideau de cheveux, et juxtaposé des éléments graphiques et formels et peints et surtout très colorés puisque c'est un rouge qui est très très fort et qui ressort et qui crée un contraste noir et blanc et couleur, une couleur très vive, et on y voit des signes qu'on pourrait interpréter comme une sorte d'écriture de vocabulaire plastique mise en place par Jacques Bossert. Donc ça, c'est vraiment toujours cette idée d'hybridation, de métissage, de mixité qui ressort en permanence dans son travail. Et tout ça est fait par une technique de numérisation qui est ensuite reproduite sur un papier qui a beaucoup d'importance aussi. Le papier lui-même est très beau et épais. Et dans des formats qui avoisinent à peu près un mètre, c'est-à-dire une sorte d'envergure du corps habituel, et qui fait que c'est quelque chose qui est immédiat, qui est très proche, qu'on a envie de prendre dans ses mains. On retrouve aussi les caractéristiques typiques du travail de Jacques Bossert, qui est à la fois peintre et photographe, et on voit toujours cette juxtaposition. C'est-à-dire que la peinture est traitée comme des images très très épurées qui pourraient être relevées de la photographie. Et la photographie est traitée comme une peinture, donc très construite, très ordonnée, avec un vrai travail graphique très précis. Et cette opposition, juxtaposition des deux éléments fonctionne parfaitement. Et on a l'impression qu'on rentre dans une forme de narration, mais une narration qui est propre à l'artiste, mais qui est propre aussi au regardeur. On va pouvoir inventer nous-mêmes notre propre histoire. Quelle est cette femme? Qu'est-ce qu'elle vient faire par rapport à ces images peintes, colorées, qui sont un petit peu comme des idéogrammes, qui peut-être nous racontent une histoire, peut-être pas.
on se laisse porter par ce côté très poétique qui en ressort. Toute une partie du travail de Jacques Bosser qui se fait aussi avec la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique d'impression très particulière sur papier avec un système d'écran sur lequel on va poser successivement des couches de couleurs et qui vont donc apparaître les unes après les autres. Et donc on retrouve avec cette technique qui va donner un aspect beaucoup plus graphique au travail, on retrouve toute la peinture habituelle de Jacques Bosser, donc ses travaux très libres de la main et un graphisme qui vient dialoguer avec un fond et des jeux de couleurs qui sont particuliers. Donc ici on voit du jaune et du violet qui viennent particulièrement dialoguer, peut-être aussi s'opposer et en tout cas créer cette espèce de dynamique qu'on retrouve dans la peinture mais qui ici a un aspect plus plat et qui est tout à fait intéressant aussi par rapport à la qualité du papier. De la sérigraphie, c'est qu'on peut avoir non pas une pièce unique, mais des pièces qui vont être reproduites plusieurs fois. Mais chaque fois, elles vont être un tout petit peu différentes et on retrouvera quand même malgré tout la patte et le geste de l'artiste. Ça permet aussi à Jacques Bosser de trouver des formats différents. Là, il a un format plus en vertical, tout en hauteur. Et il y a un véritable sens de lecture puisqu'il y a la signature. Il y a aussi indiqué le numéro de la sérigraphie dans la série. Donc ça, c'est aussi très important de pouvoir voir cette évolution à l'intérieur de la série. Et notamment, le numéro de la série va apporter une valeur à l'objet puisque les séries sont quand même plutôt limitées et vont permettre de faire du multiple un objet vraiment important et qui a toute son ampleur et toute sa place à l'intérieur de la production de l'artiste. Là, nous avons un livre d'artiste. La spécificité du livre d'artiste, c'est que ce n'est pas un livre qui est imprimé, ce n'est pas un livre qui est édité, c'est un livre qui est fabriqué par l'artiste. Et donc, c'est une véritable pièce unique. Donc là, on le voit avec l'écriture de Jacques Bosser. Il y a un numéro 1 sur 1, puisque c'est vraiment une pièce unique. Tout ça est collé. On démarre par un texte qui nous présente la série. Et à l'intérieur apparaissent 6 polaroïdes. Donc on a vraiment affaire à des pièces uniques. Des polaroïdes qui ont été enfermés dans une sorte de petit cadre très fin. On retrouve toute la qualité du grain, du papier. On retrouve surtout toute la qualité du polaroïd lui-même avec ses aspects un petit peu évanescents et un travail spécifique sur la lumière, sur la couleur. Donc on a vraiment 6 photos qu'on peut avoir en accès direct, qu'on peut manipuler, qu'on peut toucher et qu'on peut tourner comme un livre. Donc c'est vraiment un livre-objet qui est très intime. C'est vraiment un objet que l'artiste a mis du temps à confectionner et que ensuite on a plaisir à utiliser, à toucher, à manipuler. Et donc on retrouve vraiment évidemment tout l'univers de Jacques Bosser dans les photographies et le thème Outre-mer, nous en avons déjà parlé. Donc c'est un vrai beau objet qui fait qu'on a envie d'y toucher, on a envie de regarder, on a envie de prendre le temps de se plonger à l'intérieur. Outre le plaisir de manipuler, on peut aussi décider de les accrocher, de les mettre au mur et on peut jouer sur le phénomène de la série. Et donc c'est plus qu'un objet, c'est vraiment tout un ensemble de propositions que l'artiste offre et que l'acquéreur va pouvoir moduler. C'est vraiment, ça fait partie du langage de Jacques Bosser, toujours cette idée de moduler et de transformer, de jouer avec l'espace aussi. Donc il existe un deuxième livre d'artiste qui s'appelle toujours Outre-mer, mais qui va proposer des images plus
plus lié aux cartes postales, et donc avec le principe des mauresques, et donc toujours le dialogue avec l'histoire de l'art. Et on retrouve le même principe, donc 6 de Polaroid qu'on peut manipuler, transformer, accrocher, déplacer, et toujours des œuvres uniques puisque c'est une série de 1 sur 1. Un autre livre, toujours de Polaroid, toujours un livre unique et livre d'artiste, avec des petits collages. On retrouve l'écriture de Jacques Bosser, qui est très particulière, qui est très belle, et qui rappelle beaucoup sa peinture. On retrouve évidemment la signature, les numéros. Et ici, c'est la série Insectes qu'on a déjà développée. Et on y retrouve donc toujours ces corps féminins associés ici surtout à des papillons. Et on voit que le papillon, c'est quelque chose qui fait partie de l'univers de Jacques Bosser. Donc toujours le principe du livre d'artiste avec des polaroïdes, un très bel objet. Toujours dans la proposition déclinable et modulable de la part de Jacques Bosser, on a toute une série de petites sérigraphies qui font 25 par 25, donc tout à fait carrées, et qui peuvent, elles aussi, être présentées, accrochées au mur ou manipulées comme on le souhaite. Donc c'est une série de 60 sur 60, donc on a le numéro qui est à chaque fois indiqué, évidemment, en bas à gauche, la signature de Jacques Bosser. Et puis une autre série de sérigraphies qui, cette fois, est incluse vraiment dans le papier arche lui-même. Et on retrouve donc évidemment toujours la signature et le numéro. Ici, c'est une série sur 150, et donc là aussi qui se décline dans des couleurs qui sont vraiment propres à Jacques Bosser. Bien, merci beaucoup à Jacques Bosser de nous avoir accueillis dans cet univers personnel, cet atelier si beau, et de nous avoir permis de rencontrer vos œuvres et de rentrer progressivement à l'intérieur de chacune. Peut-être une autre fois.